mesdames et messieurs, TV Lakay Haiti.com, bonjour, bonsoir pour nous tout temps et nous comptons avec vous aujourd'hui, c'est vendredi et pour nous voter vidéo ça pour vous. Et n'a profité dire un grand merci à tout le monde, tous les amis compatriotes. Bon, on allait, nous pas prêter trop parce que jeudi à la Nabdou Ti Magali et retourner en force, mesdames et messieurs, et dans le moment n'a parlé là, c'est mort. Et c'est cadavre que Jeff dans Kanaran, monsieur lui-même l'a enterré parce que la police font balé ouzé là, qui porte 10 bandits. Avec la police pété fiel et nous allons inviter avec gagner tout en détail concernant et gros opération déchouquer bandit ça, opération déraciner bandit ça, opération bois calé que la police Ti Magali yo même et ben yo mettez sous pied là et dans bon moment parler là faut donc Jeff monsieur prend coup et l'en connaît mais qui quantité mal que nèg dans Kanaran dans Onaville. Et donc, yo même y a fait moun, et Croix-des-Bouquets, bon repos, et la voix, toute zone ça, mesdames et messieurs, et bien, c'est yo kap fait et des faits, et bien, je dis à la, Ti Magali font passer et le rabourer, et base ça, et bien, pour petit 10 nèg qui déjà, et bien, mortellement blessé, nous allons inviter, ou plus de détails. Et dans Kafou Fè, bagay yo pas douce, parce que ti la pli, monsieur, et décidé là, faut qu'il prend, et bien, Kafou Fè, et moun Kafou Fè, yo même yo paniqué, yo gen problème, et y a demandé concours. La police et dans vidéo ça nous va le faire entendre Abelson Gonèg nous songe qui quantité déblosaille que nèg ça yo Phantom 509 SPNH 17 Yannick Joseph sous Jovenel Moïse qui quantité l'obé nèg ça fait dans pays jodi a entendre a crier pour insécurité alors que nèg ça te fait partie Phantom 509 un groupe terroriste qui t'a crasé pays et ben c'est Léon Charles, André Michel, Nenel Kassi et puis vite l'homme. Et nèg sa ou te mette tête ensemble Yannick Joseph, Abelson Gonèg et yo même qui te fait Phantom 509. Je dis à la Abelson a crié pour insécurité, a demandé c'est quoi l'état. Alors que t'es dans la police là, donc c'est a fait pas ou t'as réglé, ou t'es dans la police là, c'est Phantom 509 ou t'as le monté pour t'écraser pays à ce Jovenel. Je dis on va cap relé contre sécurité. Bien dans vidéo ça mesdames et messieurs, nous pral faire plus de détails étendez Abelson Gonèg qui de même t'a crié dans micro la presse pour demander la police et bien porter le secours parce que nèg ti la plio. Et bien, décide là, faut que Kafou Fè. Faut que prend Kafou Fè et moun Kafou Fè levé campé et la police n'a Kafou Fè levé campé même si grand pile qui n'a gang mais ça pas empêcher qu'il y ait grain qui bon. Eh ben nous pral fort dans des détails, restez connectés, bonne écoute tout le monde n'a tourné. Yo sorti ces questions citoyens yo a pas posé tête yo Haïti qui chargé avec zam illégal zam qui nommé un groupe individu qui yo même a pas terrorisé et population. Hier, la police nationale a annoncé qu'il y a 8 présumés bandits qui sont tombés, qui mourent dans l'échange de coups de balle à Caillou, dans le quartier Onaville, Croix-des-Bouquets, dans le cadre d'une intervention policière qui fête hier. J'en ai dit là, la police dit saisi un fusil d'assaut AR-15, 4 chargeurs, cartouches, différents calibres, dans le moment intervention. Si là, parmi 8 présumés bandits, ça y est, il y a certains Zo Mano qui c'est Youn dans bois droite, chef gang Kanaran, Jeff, Ivio qui toujours a circulé dans un véhicule avec Jeff, Jerry alias Kafou Fè, membre influent gang Zo Mano. Intervention ça rentré dans cadre opération craser cachette bandit que la police lancée mercredi passé contre toute gang qui a opéré dans l'arrondissement Croix-des-Bouquets. On a rappelé dans le lancement opération ça, la police déployée à Jean Udmo, l'Ouest 2, à section Angin Lou PNH là, pour capable boucher tout trou que bandit qu'on utilisé pour faire cache-cache dans zone Mont-Cabrit, quartier Onaville pour séquestrer moun et puis servir abri pour boucanter coup de zam à la police nationale d'Haïti à travers bureau communication yo annoncé il y a poursuivre opération dénicher bandits dans la commune Croix-des-Bouquets contre toute gang qui est pensée capable de terroriser population. Donc la police qui annonçait hier, yo dans l'échange coup de zam a gagné 8 présumés bandits qui mourir. Nous pas retourner Johnny pour nous parler de situation Kafou Fè là avec Abelson Gonèg qui lui-même je crois que lancé une sorte de marathon là et si je ne me pas tromper moins. Donc, pour capable aider les policiers qui habitent dans la zone Kafou Fè faire face à bandits qui a terrorisé les citoyens. Abelson Gonèg, bonjour. Bonjour Guerrier, et bonjour Johnny, bonjour tout super branché Caraïbe FM, dans bon moment ça. Bonjour peuple Kafou Fè, bonjour peuple haïtien, et spécialement mon Kafou Fè, qui a monté en massifé en bas gang sale, grand ravine, sous complicité de l'État qui dérifise pour responsabilité pour Kafou Fè pas tomber dans le sac que gang nous voulons mettre là. Tout à l'heure, Johnny, tu as fait ce qui est nos réalités par rapport à ça qui a passé dans Kafou Fè, côté bandits dans Grand Ravine déjà prend plusieurs zones et c'est avancé sur toute Kafou Fè là, ou même qui dans zone là et qui peut probablement faire résistance. Tout comment on est capable de présenter nos situations Kafou Fè là? Guerrier, il y a 4 ans de cela, nous avons un groupe gang TG qui a des problèmes dans Kafou Fè et nous connaissons en 2019 comment ça a passé, comment gang ça allait anéantir. Kafou Fè, c'est la seule zone donc, qui ne peut pas danser collé à gang, qui ne peut pas jamais marier à gang. Et nous sommes capables, et Kafou Fè, c'est une zone, depuis que même les jeunes ou pas qu'à choisir comme ça, pour avoir des armes, pour avoir des armes, même si on a plus besoin de faire. Parce que les policiers qui ont fait, ils sont très solidaires dans ce sens-là. Et on dit, l'État haïtien, au courant, de bloquer ça. C'est une zone stratégique qui est liée. Grand Ravine, on dit, il est très très collé par rapport à, oui, Monseigneur Guillou, dans la zone côté sous-commissariat, sur le et par rapport à l'espace Grand Ravine, à Savane Pistache, on dit une distance qui était respectée. Mais tout de coup, le 10 novembre 2022, c'est comme si M. Grand-Avignon, une baleine qui ligne dans derrière, ou encore une décrété permanence de la vie pour prendre contrôle Kafou Fè. Et pas dire c'est une zone stratégique qui pas de groupe gang là-dedans. Depuis 10 novembre, un pile allait lancer pour l'État haïtien prendre responsabilité. Et de jour en jour, monsieur apprend espace. Moi-même, personnellement, lundi, moi, j'étais dans le sous-commissariat, là que mon conseiller de photo pour m'abgarder côté bandit Grand Ravine, c'est Abrio Guerrier. Moi, je me demande qui est DG France LB ou encore DDO et responsable CSPN, à savoir PM Ariel Henry, après responsabilité de M. Piovin, constater même qui dégâts qui est capable de gagner la capitale là, si toutefois, ils ont abandonné Kafou Fè ou encore sous-commissariat, ça va ça, bye bandit. Et Guerrier, monsieur, pas arrivé prendre sous-commissariat, ça va ça, sorti depuis 10 novembre 2022, pour arriver jeudi, on dit, c'est dévouement responsable sous-commissariat avec policier, minimum, green policier qui est affecté en bas, mettez avec policier Kafou Fè, avec militaire Kafou Fè. Parce que sans support, policier Kafou Fè, même si policier Kafou Fè, c'est-à-dire, c'est pas policier qui affecté dans ce sous-commissariat, mais c'est petit Kafou Fè, policiers qui travaillent dans l'autre commissariat ou encore dans l'autre département, depuis que vous entrez Port-au-Prince, et bien c'est comme si vous venez tourner dans le travail encore. Et nous sommes capables de constater, et policiers qui mourent samedi, qui se passent là, qui se dérisquent et dit boule, c'est pas un policier qui travaille dans ce sous-commissariat, ça va être ça. Donc, son policier 18e promotion. Si on policier, c'est même ça, tout le policier. Depuis que M. Sayouap a attaqué Kafou Fè depuis 10 novembre, c'est tout policier qui mettait toute force au dehors pour repousser bandit. Et on dit, si l'État a pris responsabilité, il était accompagné policier Sayou. Parce que c'est la seule zone où jouent des policiers qui ne sont pas affectés dans un commissariat, ou dans un sous-commissariat, qui dévouent comme ça avec des militaires pour repousser gang. Et si l'État a encadré M. Sayou, il était encadré sous-commissariat, par équipement, mettez blindé en permanent en l'air là, menez une opération sérieuse. C'est pas seulement chaque les gangs à venir pour et n'a lancé SOS pour blinder en ligne, camper au côté, seulement repousser monsieur pour empêcher de tirer pendant monsieur tout territoire que vous êtes après, des cas et pas de monde qui est là-dedans même. Donc, monsieur, pour paquet de territoire, et l'État, en bas, l'État là, et je dis à la nouvelle, si l'État continue à faire mes gilles, ce qui a passé dans Kafou Fè là, c'est pas seulement espace espace ça yo bandit va prendre nous pas bien sous commissariat marché Salomon encore nous pas bien commissariat ACM pas commissariat de Port-au-Prince encore pas bien Sainte-Marthe pas bien BBC et il y a même rive Pétroville parce que c'est marché contribution à faire et chaque zone que yo fin prend yo pral mettre installer gang yo pour chef gang yo pour responsable espace ça parce qu'on fait c'est une zone très très stratégique donc dans sens ça et guerrier et puisque important pour l'état réveiller et pas quitter pendant tout l'état réveiller là lundi passé nous peuple là après l'amour et dit comme nous mettez pied à terre et pas ta souhaiter l'état dormir sous ça pour pas prendre responsabilité parce que Kafou Fè pas jamais dans ce que on comme mêlé dans ce de bagaille qui passe dans le pays parce que c'est un peuple qui est très paisible mais jour levé on a une mission de pas capable supporter donc dans ça pour empêcher le pire que l'État prend responsabilité, c'est pas seulement pour repousser Gravine, mais c'est mener une opération pour question gang Gravine, ils finissent avec ça. Donc, au dit là, monsieur prend des caettes, il prend un pile l'autre territoire, nous connaissons la zone Cité 9, il y a de l'autre zone encore que monsieur qui se contrôle. On dit tout capitaine. Hier, ils sont capables de constater qu'il y a 2 mois, qui ont ce nom qui s'est poupé, qui recevraient une balle dans la tête, dans une capitaine. Ce n'est pas seulement la police qui a fait ça, c'est toute la population. Monsieur s'est violé, boulé, pillé, caïmoun. Tout n'est que c'est territoire en territoire que je prends. Et dans ce sens, l'État lui-même dit Croix-des-Bouquets. Regardez, l'on s'est alerte, on m'a des renforts, il faut pas arriver à l'air. Est-ce que c'est complicité, monsieur, même pour monsieur Gravine, pour faire ça? Est-ce qu'on prend, mettre la tête de tout, monsieur Gravine? Donc, yo même qui est en bas, côté par national, là, yo même qui est dans CM, pas pris dans des vidéos, est-ce qu'on va penser la blanche pour yo? Moun seul martial, moun canapé vert, la blanche pour tout le monde. Donc, c'est pas seulement Kafou Fè cap, et pas oublier guerrier, Kafou Fè, c'est bas sur réfugié le terrain. Tant pile zone dans métropolitaine, dans n'importe où ça y a un problème, bandit a bail problème, c'est là un peu nous vient diffuser. Et je dis à là, les Kafou Fè lui-même en danger bandit sous contrôle gang, donc pose cette question côté monde Kafou Fè pas réfugié, donc il y a une population qui est surélevée. Et depuis on dit date que monsieur Gravigno a essayé d'attaquer pour le contrôle de quartier dans Kafou Fè, est-ce que pas une opération planifiée même la police l'a mené? Ça pour qu'on fait une fois, moi appelé ancien BDO, ancien secteur départemental là, dans un petit causerie avec, on s'est parlé avec. Donc, il te posé une question. Pour te dire, ça qui est important pour nous faire, c'est mener une opération d'emblée. Ce n'est pas à chaque fois, nous avons demandé concours, demandé support, demandé lancer SOS et renfort bon côté au commandement. Nous n'avons pas qu'à tout le temps, vous sortez depuis 10 novembre pour nous, pas qu'à continuer comme ça. C'est une opération d'emblée pour nous attaquer Gravine par Matissan, pour nous attaquer Gravine par Maranata, et puis un groupe de policiers qui a remonté des gens à attaquer Maranata et Matissan, et groupe policier qui motive Kafou Fè avec militaires, mettez avec d'autres unités spécialisées dans la police pour mener une opération d'emblée avec des blindés, donc pour ne pas repousser des gens seulement, mais c'est aller dans ces groupes comme ça, capturer un cancer, pas pour Kafou Fè seulement, mais on dit pour toute capitale. Là. Ça fait cela où ça va faire. Allô? Oui, non, me dit ça qui fait et ça va dire là va faire selon vous. Donc selon moi-même, c'est parce que l'État n'est pas responsabilité, monsieur pas de volonté. Et si on a une volonté, on dit avec support policier Kafou Fè qui dévoué, militaire Kafou Fè qui dévoué, équipe qui était Kafou Fè gangstérisé, je pense que c'est le moment pour recommander la police. Et ce n'est pas même nous-mêmes, policiers qui t'a supposé demander DG, LB ou encore recommandement CETA, mais c'est eux qui t'a supposé entrer en contact avec les responsables du commissariat pour dire, puisque si depuis 10 novembre, ils connaissent effectif, policiers qui dans ce commissariat de stage là, les pas assez pour empêcher que nous prenions espace là. Donc ça dit, monsieur, on est conscient que ces policiers Kafou Fè, avec militaires Kafou Fè, tabac support à ce commissariat qui cause pas problème. Je pense que c'est de gros shit à parler fait entre vos commandements et responsables savants que ça là, y compris policiers Kafou Fè, pour ensemble nous définir une stratégie pour nous dire 1, 2, 3, 4, même genre dernièrement dans la conférence du presse mercredi avec une petite ville, il faut qu'il y ait blindé, il faut qu'il y ait des spécialisés en permanent là pour une opération d'emblée qui fait, c'est pas seulement pour tout le temps, pour la repousser M. Gravigny, mais c'est pour nous attaquer autour. Et que peu de policiers qui ont volonté, ça compte fait mal. Là, on groupe de policiers qui ne pas tout le temps pour Gravine attaquer et puis venir faire mort. Donc, tout le monde mourit avant que moi-même le cap et route là, le cap de la route là. Il y a 4 jeunes qui prennent balle. Mais samedi, il y a une police victime. Combien de policiers ont commandé à mourir encore? Il y a un jeune fille mourir qui est capable d'envêter. Combien de civils ont mourir? Combien de cas ont mourir encore? Pour les décréter permanents, pour faire une opération d'emblée pour démanteler les gangs. Pas de gang qui est éternel dans le pays d'Haïti. C'est seulement recommandant la police avec CSPN qui coiffé par Premier ministre, monsieur, pas de volonté. Et je dis à négocier support policier Kafou Fè pour une opération sérieuse. C'est faut régler avec le groupe de policiers, ça y est. Derrière moi, on connaît des mêmes policiers qui travaillent de l'autre côté, qui se petit Kafou Fè, qui fait des marches, puis on vient transfert, puis on vient dans sous-commissariat par rapport et mec effectif sous-commissariat, il n'y a pas qu'à jouer transfert. Derrière, pour on essaie de comprendre ça. Conseil de policiers qui viennent dans l'unité spécialisée guerrier. Et ma ce message, ça, monsieur certain, et DG France LB, l'attendait, DDO attendait. Et dans le jour où je suis je prends liste policier, je dresse liste pour me voir par DDO spécialement, pour ça. Parce que pas qu'il y ait des policiers qui sont unité spécialisée. Monsieur, on demande des transferts pour venir travailler dans le sous-commissaire avant de l'argent. C'est tout bon. L'État, le commandement, c'est une volonté pour combattre phénomène gang, moi c'est mieux pour eux arranger, pour eux dire oui, il y a pas de transfert pour qu'ils portent support à bloc et après une capable de retourner dans le pension. Bah, on de route, on fait de route, parce que monsieur Vini, pour venir dans le voyage. Je regarde comment boule mouille, boule pas affecté dans ce commissariat, ça, on dit ça. Et s'il était affecté, il ne doit pas mourir comme ça. Parce que dans le moment, il était passé dans le commissariat, il t'a bien. Mais puisqu'elle n'a bloqué, par rapport à tout espace net, monsieur Seke et monsieur Gravigno, ils n'ont pas petit. Effectivement, ils sont vraiment nombreux. Donc, on pensait, sous commissariat, il y a des problèmes effectifs, il y a des problèmes munitions, il y a des problèmes matériels. Donc, pour côté au commandement, il faut que monsieur, il prenne responsabilité pour accompagner le peuple Kafou Fè là. Et il me dit ça, PM Ariel Henry, pas quitter le peuple ça lever dans des yeux, pas quitter le peuple ça lever face ou. Parce que jour Kafou Fè lever face ou, si son qu'on Jovenel, qu'on apprend, pas rien. Et quand on fait pas jamais lever, non Jovenel, pas quitter le lever face ou. Alors, nous avons perdu contact avec Abelson Gonèg, n'a pas essayé rétablir contact rapidement. Donc, Abelson Gonèg n'a pas appelé, c'est un ancien policier dans la bataille pour mettre campé SPNH 17 là. Oui, il semblait que, par contre, si c'est problème charge ou qui ça, qui gagne, parce que. Oui, Abelson, en tout cas, quitter Nrelo, si toutefois on a fait ça, pour être capable au moins finir avec ce parler qu'on a fait matin. Oui, tu as parlé de cette destitution qui est dans la zone environnement là. Il nous dit que si jamais les gars arrivés et concrétiser les reviews qui se prend Kafou Fè, donc ils ont même tout, ils ont dans une situation difficile guerrière. Nous t'ai parlé de l'ensemble de espace l'État, ministère, direction générale, nous parler peut-être